Je n'ai rien préparé, je ne sais pas ce que ça va donner. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous montrer quelques produits que j'ai terminés. Bon, certains sont très très bien et d'autres sont très très bofs. On commence tout de suite par une petite bougie que j'avais achetée à Primark à 1 euro. Donc c'est celle-ci, la Pink Pony. Au magasin, au moment où je l'ai ouvert, je me suis dit cool, ça sent très bon. Mais au moment où on l'allume, tout simplement, l'odeur n'est pas exceptionnelle. Elle n'embaume pas énormément la pièce. Mais je me dis bon, pour 1 euro, ça va quoi. Mais pas de la grosse grosse came quoi. Les petits patchs pour les sous les yeux que j'achète à Action encore et toujours. Je les adore et je trouve que le résultat est topissime. C'est au concombre, masque yeux, tatata, pour rafraîchir et nourrir, et ça fait tout à fait le job. Génial. Alors ça, j'avais acheté à Nose des wipes. Ah, ça y est. Ah, comment ça s'appelle? Et en français, je me rappelle plus, des lingettes. Il n'y a pas marqué lingettes. Des lingettes démaquillantes marchent très bien et surtout en fin de journée quand il y a beaucoup de maquillage, que pas envie de s'embêter à faire les yeux, le teint avec des trucs différents. Prends la serviette, hop hop hop, et c'est fini, basta. Ça marche très bien. Alors, ça. Bon, des petits cotons démaquillants tout simples, siennes. De c'était à Lidl hein, que j'avais acheté ça, et 140 petits pads, ça m'a fait un petit moment. C'était bien. Ouais, faut que j'en rachète. J'en ai plus. Alors ça, produit masque tissu visage effet bouclier Hydra Splash. Alors ça, j'avais déjà essayé Ayasai. Et pareil, masque très bien. Peau hydratée, protégée, réparée. Alors hydratée, oui, j'avais l'impression que la peau était un peu plus douce. Protégée, je pense que c'est, je dirais, quand on sort anti-pollution, toutes les petites bactéries, je sais pas. Réparée, réparée. J'ai pas vraiment vu cet effet réparé. Surtout regardez au niveau de l'hydratation et qui a bien fait son job. Alors ça, c'était de chez Origins. Un produit, une crème pour la nuit, donc on pouvait l'utiliser en masque ou un petit peu tous les jours. Moi j'utilise un petit peu tous les jours et déjà l'odeur, mais je sais pas pourquoi, mais j'adore. C'est à l'avocat et à l'eau des glaciers, mais moi ça me fait pas penser à l'avocat cette odeur, c'est très étrange. Je peux pas expliquer comment c'est, mais ça sent super bon. Et en plus, le pire c'est quand on le met sur la figure, après dès qu'on bouge, on sent cette odeur. Après voilà, c'était une pâte assez épaisse. Le lendemain matin, la peau était super douce, brillante, enfin brillante. Pas d'excès de sébum, mais un joli éclat quoi. Et franchement, topissime. Origins Drink Up Intensive, celui-ci. Top, 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 top. On va continuer, je vais faire les quatre d'un coup. Hein. Ce sont des pots d'huile. Donc j'avais de l'ail, carotte,
amande et aloe vera. Et j'utilisais ces huiles pour mes cheveux. Je sais pas, j'ai pas plus kiffé que ça les effets. Ou trouvé qu'il y avait un méga effet. Après, quand on le mettait sur la peau, oui, c'était agréable, c'était doux, ça régénérait. Mais par contre, voilà, c'est de l'huile, donc c'est pas de l'huile sèche. Donc, faut s'attendre à avoir la peau grasse après, à part si on met vraiment la petite dose. Donc, j'aime bien en général les huiles pour mettre dans les cheveux, mais là, ça si. Voilà. On continue encore avec un masque en tissu. C'est un masque tout noir au charbon. Alors, quels étaient les effets? D'habitude, là je fais le truc à la Walligan. D'habitude, je marque toujours ce que ça fait, les points positifs, négatifs. Là, j'ai rien fait. Rien préparé, super. Et du coup, faut que je me rappelle parce que c'est quand même il y a un petit moment que je l'ai utilisé. Attention, cas d'effet, non. Je me rappelle pas. Il n'a pas dû me subjuguer en fait. Enfin, il a dû être bien. Mais je me rappelle pas donc. Par contre, celui-ci, je m'en rappelle. Un autre masque au café. C'était un double masque, donc premier en haut, premier et deuxième en bas. Qui était au café pour énergiser. Et franchement, au moment où je l'ai mis sur la figure, j'ai senti presque un picotement à certains endroits, mais je sentais que ça faisait vraiment effet sur la peau. C'était pas douloureux, hein, mais j'ai senti que la peau réagissait. Et c'était un truc en silicone, donc par contre, ce qui était un peu chiant, c'est que le haut tenait très bien, mais le bas faisait que glisser. C'est super pénible. Donc en fait, il fallait que je m'allonge comme ça, que je reste, et que je bouge pas pendant 20 minutes. Sauf que à ce moment-là, je devais faire autre chose, donc j'ai fait autre chose, ça glissait, je le remettais, c'était un peu pénible. Mais en dehors de ça, ouais, la peau a bien réagi et j'avais l'impression après qu'elle était un petit peu plus ferme. C'était cool. Celui-ci, franchement, bien. Je sens que la vidéo va durer 50 ans. un sérum Game Over de Olution. Je sais pas comment ça fait, comme ça. Et le sérum, très très bien. Il en fallait peu pour tout le visage et le cou. Il pénétrait directement. Il se mariait avec plusieurs crèmes, parce que ce soit la crème de jour ou crème de nuit. Nickel. Prévient et atténue les imperfections, rougeurs et cicatrices. Donc, c'est vrai qu'à un moment où je l'ai utilisé, j'avais un petit peu moins de boutons. Un petit peu moins. Après, c'est un petit pot, donc en général, faut sur du long terme. En parlant de long terme, j'ai le produit nettoyant figure au tea tree de chez Body Shop. C'est quand même un gros pot, il m'a fait 3-4 mois, je crois. Un bout de temps, hein. Je sais pas combien exactement, mais c'est vraiment un bout de temps. Et moi j'aime beaucoup, déjà j'aime bien l'odeur du tea tree parce que il sent fort, hein. Faut pas se leurrer, ça sent le tea tree à mort. Ça lave bien, une fois rincé, on a l'impression que la peau est propre. Oui, bah, de toute façon, on nettoyait la figure. Et après, il y avait. Même quand je passais un prêt avec un coton de l'eau florale,
En général, des fois, quand on lave mal, il y a toujours de la crasse en quelque sorte sur le coton. Et là, il n'y a rien. Donc, franchement, top. Et je l'ai racheté, ça d'ailleurs. Naturel et pur de chez Fa. Un petit déo. Je suis très compliquée en déo. Parce qu'il y a déo et antitranspirant. Et celui-ci, ben. Pour les odeurs, au bout de 1 heure, 2 heures, si vous bougez, vous sentez le poney, ça sert à rien. Et antitranspirant, si, quand même un peu. Donc, moi, il me convient pas. Après, chaque personne est différente. Vous pouvez tester, hein, ça dépend des gens, quoi. Mais rose, il sentait la rose. En fait, je viens de lire ça, que ça sentait la rose, mais c'est pas. Ça m'a pas perturbée. D'habitude, je le sens quand c'est de la rose directe, mais là. Et mon produit chouchou que j'ai terminé et que franchement, j'ai mis aussi pareil plusieurs mois à le finir. Mais ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. J'ai mis longtemps à l'acheter. Et j'ai mis longtemps à le finir. Parce que une grosse bouteille comme ça, elle fait des mois. Que ce soit matin et soir. Et franchement, Sanoflore Aqua Magnifica, mais terrible. Vraiment terrible, génial. Au niveau des boutons, ça m'a réduit mes pores, ça m'a enlevé plein de boutons. Ici, avant, ben là j'ai aucun truc sur la figure à part de la crème hydratante, mais j'avais beaucoup de rougeur, beaucoup de rougeur. Après plusieurs mois, mais. Je voyais vraiment au fur et à mesure que ça allait diminuer. Un jour, je me suis regardée dans le miroir, je fais, putain, mais j'ai plus aucune rougeur. Et je me suis dit, il n'y a que ça, parce que selon les autres crèmes hydratantes, tout et tout, c'était pas ça. Mais là, franchement, là et là, j'avais plus rien. Bon, là, ça revient un petit peu, parce que ça fait un moment que je l'ai terminé et que je suis passée sur autre chose. Mais ça. Franchement, si vous avez la peau grasse ou beaucoup de boutons, ou moi j'ai pas une peau spécialement grasse, mais j'ai vraiment. Je l'ai acheté pour. Parce que j'avais envie, c'est court à dire, mais j'avais vraiment envie d'essayer et me dire est-ce que ça va réduire mes boutons, est-ce que ça va réduire mes rougeurs, est-ce que ça va. Enfin, libère les impuretés, ben oui, moins de boutons. Oxygène la peau, ben je pense que ma peau a bien aimé parce qu'elle n'a pas fait aucune réaction. À part les 2 premières fois où je l'ai utilisé, où là j'ai senti ma peau un peu chauffer, c'était très, très étrange. Mais après, j'ai plus jamais rien eu. C'était vraiment parce que c'était les 2 premières fois où la peau s'est dit, oh, c'est quoi ce produit, un nouveau truc. Mais après, plus rien. Franchement, nickel. Et resserre les pores et illumine. Ben franchement. Pour moi, ça a été promesse tenue. Tout simplement. Donc, je vais finir les produits que j'ai. Et celui-là, je le rachète. Ça, c'est sûr. Enfin, bref, voilà. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Et encore, je crois que j'ai pas tout mis. Je laisse pour. Le mois prochain, parce que sinon je finis jamais. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!